Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On fait des pantoufles Mar pour un mode full retrait PM sur Nutroph PVM. Donc l'idée, ça va être de voir un jet quand même qui ressemble à quelque chose et puis un max d'over retrait PM tout simplement. On a 97 depuis. Bon, on a un over de Vita à gérer. On peut ravipod. C'est pas ouf, mais. En fait, ce qui casse la tête, c'est le 38 de sagesse. Hein. Je vous avouerai que ça régale pas trop. On va ravi. Oh, bah c'est bien ça, c'est tout ce qu'on aime ça. Ok, bon, on va pod. Je pourrais tenter le double moins 6, mais bon, ouais. Go sécuriser un truc correct. Ok. Alors là j'ai eu plus 0,1 moins 3,5. On va mettre ça, on va mettre le doigt R. Moins 10. Il y a la fuite à gérer. J'ai même pas eu le temps de toucher l'item, enfin vous voyez pas, mais c'est. En fait le PA est tombé à la première rune, hein, vraiment. Je signais l'item, elle a pas iné, le PA est tombé direct. Bon, c'est que la première, hein, tranquille. Moins 6. Allez, on va mettre la fuite comme ceci. Ça va, on s'en sort bien. Moins 2, c'est quasi gratuit. Hop. Moins 9. Bon, ça nous laisse 26 depuis. C'est pas insane, hein. En vrai, je peux tenter une part retrait. Ok, ça passe pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il me restait du coup. Bon, là, j'ai moins 21. Plus 34, allez, ça commence, hein, les dingueries. Plus 95, moins 100. Ok, 34 depuis. Bon, ça va être un peu technique de gérer l'agile. Hein. En vrai, je peux faire tac, tac, tac. Moins 3. Hop, hop. Ok, j'ai un peu grid, j'admets. J'ai voulu faire un truc stylé comme ça, vous voyez. Bon, j'aurais pu chercher le perf direct. Mais bon, on s'amuse, qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, quand on a du 38 de sagesse, bon. Ok. Allez, ça commence. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait avec ça? si vous voulez. Oh, ils ont corrigé l'affichage. Tiens, ça me pue échec quand je repasse un PM. Alors, déjà ça, ça fait plaisir. Ça, c'est. On savoure les petits plaisirs de la life. Bon. En vrai, le mieux que j'ai à faire, c'est de pas retrait PM, espérer que ça casse le PA. Bon, ça se tentait. Bon, allez, on continue, on va essayer de choper un truc un peu plus propre que ça, quand même. On continue. 97 depuis, cette fois-ci, on a une bonne sagesse, c'est pas dégueu. Je pourrais me contenter d'un IR perf en Vita. Ouais. Moins 3. On va mettre la passa maintenant, je pense. Ok, oh, ça c'est cool, ça. Ça c'est très très cool. En vrai, est-ce que ça vaut le coup de bourriner le full perf? C'est pour du PVM full retrait, hein, donc a priori c'est pour pas trop se faire toucher quand même. Peut-être que je ferais mieux de maximiser à fond mon nombre de tentats retrait PM. 94 en vrai ça a de la gueule. J'ai 3 en rab. Je peux faire une tenta. Pas âge. Ok. Donc ça me fait 13. En vrai, je vais faire une retrait PM. Qui passe. Moins. Enfin, attendez. Fois 7. Moins 7. Et donc là, j'ai 4 tentas par EPM. Et ça régale. Peut-être qu'on va sortir une dinguerie. Attendez, c'est combien le max qu'on peut avoir C'est 14. Oh, si on sort un 14 en vrai, bon. On va déjà essayer de sortir un 11. Évidemment. Tant pis. 96 depuis. En vrai. C'est pas mal. Là, on peut grid le full perf. Je me fais la réflexion qu'en fait, comme c'est pour mettre sur un anutrophe et que maintenant les soins des anus sont en pourcentage des PV max, j'ai pas besoin du soin en fait, donc ça va pas mal m'arranger la vie.
Est-ce que je bourrine la double pavine tout double pod pour sécure un père Vita? Ou est-ce que je pars du principe que Osef? Ouais, je pense qu'en fait on va juste bourriner le retrait. Hein. 87. J'ai 3 de rab. En vrai. Je vais mettre ça. Ok. Moins 3, 84. J'ai 12, j'ai 4. 4 tentats par EPM. Ça peut faire des trucs. Bon, décidément, ça veut pas. Très belle tenta à 97 depuis. On aura le perf sagesse perf vita, ça régale. Allez, vita, go. Ok, ça crit. C'est bien là, hein. On part très bien. Hein. Hop, 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 hop. Oh, magnifique, moins 9. Mais écoutez, c'est de la belle grosse tenta, ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, j'ai 4 en rab. En vrai. On va mettre. Ça. Du coup. Moins 3. Mettre une petite rune réter. Voilà. 85, là j'ai 1 en rab. Bon, allez, on peut tenter la petite rune. Elle est passée. Ah oui, ça fait longtemps que j'ai pas touché le jeu en fait. J'avais oublié l'interface mode avancé forge magie. Faut pas que je me fasse troll parce que bon, je sens venir la grosse boulette. Ok, donc 80. Bon, on a encore 4 repères. Enfin, 4 parts et. Bref, vous avez compris, on a 4 quoi. Oh, c'est compliqué la reprise, hein. C'est compliqué. Let's go. C'est marrant, elle passe pas beaucoup ces runes. C'est vraiment bizarre. Ah! Ok, donc là du coup j'avais 0, j'ai 50, moins 10, 40. En vrai, si on sort un peu de crit. Ouais, bon, c'est pas vraiment ce que j'appelle un peu de crit malheureusement. On va être un peu léger quoi. Ils sont chiants, hein. Du crit s'il vous plaît. On va viser au moins 8. Dans les cas-là, les amis, faut juste serrer les dents. Évidemment, là, je sors mes meilleurs crits. Ah, mais ça veut vraiment pas. J'en ai même pas eu une qui est passée depuis. Putain, mais à 6000 km à la rune, en fait. C'est chiant. Bon, bah, on continue. Ok, petite dinguerie là que j'ai setup comme pas possible. Vous regarderez l'historique pour comprendre. 79 depuis. Il y a peut-être moyen de sortir un truc. Du coup, j'ai 11, donc je vais faire 2 retraits PM et 2 pas retraits PM. C'est pas dégueu en vrai. Oh, c'est abusé par contre. Hein. Bon. Donc là j'avais. Tiens, j'avais encore 11 en rab. Je me demandais si j'avais du rab avant. J'ai un peu eu la flemme de compter quand même. J'étais déjà sur un deuxième puits. Bon, ok. Ok, j'admets. Deck. Il peut y avoir un truc, une ligne verte en bas un jour, peut-être. Bon, bah écoutez, on va continuer tranquillement. Bon, la Vita qui troll un peu, mais les 40 de sagesse qui m'aident bien. Ok, moins 20, c'est pas ouf. 22 à récup. Allez, on va espérer le moins 16 et le moins 6, peut-être. Non, on n'aura pas cette chance. En vrai, je vais go. Réter. Ok. Bon, c'est legit. 61, 63 du coup. Ben c'est bien 63. C'est parti. J'ai du mal à me faire à la nouvelle interface. Hein. Enfin, je m'y étais fait, mais je m'en suis défait. Faut que je m'y refasse. Ok, bon, 3 tentats qui passent pas encore. Ben comme d'hab, maintenant j'ai l'habitude, c'est good. Du coup, j'avais. Bah là, j'ai 10. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire avec 10? Je ne sais pas trop. Moi, je vais essayer de remettre ça. Bon, on continue. 96 là-dessus. Bah, c'est parti en fait. Ok.
Il y a peut-être une dinguerie à faire en vrai. Ah, il me manque pas grand-chose pour avoir une tenta de plus, mais... Que propose le chat? Que propose le chat? Truc, c'est qu'on a 91 à un multiple de 7. Il nous reste 5. Mais... On peut tenter un crit à la plus 2. Ou alors on peut tenter une sagesse. Ah oui, je sais ce qu'on va faire. On va tenter une réter. Comme ça, si ça passe, on gagne une tenta. Ok, ça passe pas. Et là, il me reste 3. Je peux tenter une sagesse. Ok. Donc là, il me reste 13 tentas. 13, c'est une. Et c'est 3 fois 4. Je vais passer ma part au TPM un jour, j'en ai rien à faire. Et voilà! Je le savais! Je le savais! Je le savais! Depuis le début, je vous le dis que ça allait passer. Voilà. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? Ah! C'est ce qui s'appelle une déception, effectivement. C'est pas de chance. Putain, c'était passé! Bon. Alors, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment. Déjà, on ne panique pas. On remet tranquillement le PA, le PM. Voilà, bon, allez, next. Hein. 89 de puits, c'est pas trop trop mal. On allait la chercher un peu, celle-là, il a fallu gratter. Pavie. Allez, moins 6. 83. Oh, il manque 1 pour avoir une tentative de plus. Ça, c'est un peu sad, ça. Est-ce que je l'aurais pas, le 1 en rab? J'ai commencé à compter sur le mot 3J moins 1 de R, là. Alors, je me rends compte à l'instant que vous ne voyez pas mon curseur. Ça, c'est un peu unlucky. Merci pour l'abonnement, Kaderak 2625. Merci pour 5e mois d'abonnement. Stylé, merci beaucoup. Bon, c'est encore un peu le stream de reprise et de resetup là. Ok, bon, il va falloir que vous voyez mon curseur parce que si je veux vous montrer des trucs, ce sera mieux, évidemment. Bon, ce que je voulais dire, c'est que peut-être que j'ai un peu de puits en rab. Sur la page au-dessus, bah, j'ai moins 1. Là, j'ai moins. Oh. Moins 5. Plus 4. Ah ouais, allez, on va dire j'ai 84 parce qu'on est on est un mec comme ça. Ok, donc si j'ai 84, ça veut dire que j'ai mes 4 tentas. Allez, 1, 2, 3, 4. Ben voilà, je les avais pas, mais vous voyez, ça se passe bien. Ok, donc en fait, j'avais pas du tout mes 4 tentas. Donc là, j'ai moins 1. J'ai 99. Mais là, ça peut faire une dinguerie à tout moment, là. À tout moment, ça peut faire un truc de ouf. J'ai 2 en rab, là. Je peux faire. J'espère que je ne suis pas chier, hein, mais je pense que je peux faire tac, tac, du coup, j'ai 97. Je suis trop con, il me fallait 98. Non, bah, je suis un bouffon, c'est officiel. Bah, GG à tous, je suis débile. Ok, bah j'ai int, je sentais que je faisais de la merde et c'était le cas, effectivement. Bah, je devais avoir 14, bon, j'ai 13, du coup, c'est un peu sad. Du coup, il me reste une tenta comme ça. Voir une deuxième en fait. C'est une pavie que j'ai mis. Hein. Et voilà! Du coup, on perd rien, ça régale. Enfin, on perd rien. On retombe sur nos pattes, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Et voilà! 100% rentable, évidemment! Donc, en fait, on a 13 tentas du coup. Allez, on va y aller comme ça. Non, mais c'était calculé, vous me prenez pour qui en fait? Eh oui! Eh oui, les amis, let's go! Le retrait, 6, 7, 8, allez, 8, 8! 8, mais voilà, évidemment! Ah, alors pourquoi j'ai pas de P, mais pas de PA? Ça, c'est vraiment pas de chance. Regardez, hop. Ah! Aïe, 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 la boulette. Ok, donc là, j'avais un near perf. J'ai tenté la part retrait PM, qui n'est pas passée, mais qui a cassé le PA, donc on est à 79 depuis. C'est pas trop mal en vrai, j'ai 2 en rab, je vais tenter une iné, une agi, pour le fun, et j'ai 11 tentas comme ça. Let's go.
Oh, ça part bien. Ok. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? Et non. Ça semble donner raison aux personnes dans le chat qui me disaient qu'ils pensaient que ça passait mieux avec des runes retrait PM que des pas retrait PM. Ça a l'air de se confirmer. Pour l'instant, on n'a pas un échantillon statistique très large, mais ça a l'air de mieux se passer avec des petites runes, quoi. Bon, allez, on continue. 91 depuis là-dessus. Moi, bon, ça peut faire des trucs. On va aller chercher la Vita, moins 6. L'Intel, moins 3. Le Dofeu, moins 5. 77 restants. Bah écoutez, ça régale. C'est parti. On a du mal à aller chatouiller les 9 retraits, hein, mais bon, c'est quand même cool. Pas de PA. Magnifique Tenta, 96 depuis, on va aller chercher le full perf, les congruences sont très bonnes. En vrai, je pourrais double raage. Oh, je vais faire ça. Ok, moins 13 du coup. On va venir chercher la petite pavie ici. Mais du coup, j'ai 3 qui me... Bon, voilà, mais tranquille, c'est pas de regret. On va mettre une petite pafo. On pourrait mettre une prosp. Pas une prospe qui traîne là. Et si j'ai ça. Hop, parfait, on récupère le puits, ça régale. Petit repère qui ne passe pas malheureusement. Moins 9. Hop, hop, moins 10. Oh, ça peut être très 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 beau ça. C'est magnifique. 64. Bon, bah écoutez, on a 9 tentas. On va faire avec. Si ça pouvait repasser là-dessus en vrai. Alors, l'idée c'était avec un over retrait PM conséquent, parce que si ça repasse là-dessus, bon, OZEF. Dommage, c'était stylé le petite ligne perf là. On continue. Je suis pas convaincu par le puits, mais les congruences sont bonnes, donc on va filmer, mais on va pas compter. Voilà, on va partir là-dessus. Tac. En vrai, ça se passe bien. En vrai, c'est beau ça. J'ai aucune idée de combien de puits. Hein. Aïe aïe aïe, évidemment. Attendez, je vais check. Je vais check sur quoi on peut trans. Parce qu'à la limite, une petite trans là-dessus. Ça peut peut-être donner quelque chose. Je vais regarder à combien ça passe la trans retrait PA. Mais je vous retrouve tout de suite. Bon, bah écoutez, ça va partir en petite rune trans. Je peux trans à la pata retrait PM. Donc plus 3. Ça passe. C'est un 8 retrait PM, ça m'aurait convenu. Puis là, comme on a quand même les belles lignes, bon, on a du full perf sauf le soin, quoi. Je me dis, bon, ça, c'est ok pour ce que je compte faire de l'item. Ce sera juste pour du mode no brain retrait PM quand il faut. Donc voilà. Puis rien ne m'empêchera de retryhard un 9 retrait PM si j'ai envie un jour. Mais voilà, c'était aussi un petit stream de reprise de contact avec vous, avec la Forge Magie. Revérifier si tout se passe bien sur le plan matériel, logiciel et compagnie. Donc là, l'idée, c'est pas de passer 40 000 heures sur l'item, c'était un petit peu les retrouvailles. Donc bon, ça, c'est quand même assez smooth, hein, ça servira, ça me servira cet item, donc c'est cool. Hop, voilà, 8 retraits PM. c'est quand même plus facile avec des runes qui passent à 100%, hein, ça c'est vraiment magnifique. Hein. Ok, bah écoutez, petit G sympatoche, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt.